Qu'y a-t-il à retenir actuellement sur l'évolution de l'économie en République démocratique du Congo? Ce nouveau numéro de Zoom Eco Live nous en parle avec plus de précision. Voilà, vous nous suivez de partout, nous émettons à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Bienvenue à tous. Pour cette édition, le focus sera fait sur la tendance des prix des produits miniers dans la période allant du 18 au 23 avril 2022. Judith Namaka nous apportera plus de précisions là-dessus. Nous aurons aussi un dossier sur ce plateau qui reviendra sur le lancement des activités relatives du projet de Air Congo et ce lancement sera fait par le gouvernement congolais. Nous aurons aussi la chronique du jour avec Patrick Bomboka qui nous ramène des toutes nouvelles analyses sur ce plateau. Et avant de nous séparer, nous noterons les rendez-vous économiques qui ont lieu en RDC. Mais avant d'y arriver, suivons les nouvelles en bref et retrouvons-nous juste après. Commençons ce nouvel en bref avec cette information. La tendance générale du prix des produits miniers exportés de la République démocratique du Congo sur le marché international est haussière pour la période allant du 18 au 23 avril 2022. En revanche, de principaux produits miniers exportés de la RDC, à savoir le cobalt et le cuivre, enregistrent une baisse de prix au cours de cette période, renseigne la Commission nationale de mercuriel du ministère de commerce extérieur qui surveille l'évolution de cours de ces produits. Autre information, le prix du cuivre a légèrement chuté sur le marché international de métaux en début de cette semaine, renseignent les indicateurs de London Metal Exchange. Ces produits se négocient à 10 276,50 $ la tonne contre 10 290,35 $ la tonne le week-end dernier, soit le 16 avril dernier. Comparativement à la fin de la semaine dernière, ce produit enregistre un écart de prix négatif de l'ordre de 13,85 $ sur sa valeur marchande à la Bourse de Londres en cette fin de semaine. Note la Bourse de London Metal Exchange qui représente 80% des échanges de métaux. Avant de finir ce nouvel en bref, signalons qu'aujourd'hui les développements en République démocratique du Congo est inimaginable sans les sciences et les technologies. C'est le credo de Raissa Malou, professeure de mathématiques, initiatrice de Investing in People et une des organisatrices de la 9e édition de la Semaine de la science et des technologies dont les travaux ont été lancés le lundi 18 avril 2022 à Kinshasa. Et pour finir, cette fois-ci, après des travaux de maintenance à l'étranger, le deuxième Airbus de la compagnie d'aviation Congo Airways a regagné le lundi 2 avril 2022 la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Cet aéronef est complètement rénové avec sa cabine modifiée en business class pour le confort de sa clientèle et le renforcement de la desserte domestique, fait savoir le service de communication de Congo Airways. Nous revoilà sur ce plateau, c'est un plaisir de vous retrouver une fois encore. Merci de rester fidèle à Zoom Eco Live. Cette édition se poursuit et cette fois-ci, nous allons entamer avec la première rubrique qui nous parle de l'évolution du cours de change en RDC. Il s'agit des chiffres clés et aujourd'hui principalement, la thématique tournera autour de la tendance des prix des produits miniers de la période allant du 18 au 23 avril 2022. Les détails, c'est juste après ceci. En ce qui concerne les précisions chiffrées, nous en parlons avec vous. Judith Namaka, bienvenue. Merci Piombo. Commençons déjà notre échange, comme d'habitude, avec l'évolution du cours de change en RDC. Voilà, concernant l'évolution du barème de bourse en République démocratique du Congo, commençons donc par le taux à l'officiel qui fixe actuellement 1 $ à 2003 francs congolais. Un franc CFA se change à 3,32 centimes et 1 euro s'atterre à 2181 francs congolais. Concernant l'appréciation du cours de change sur le marché parallèle, nous avons ciblé aujourd'hui Matete dans cette partie d'avis. 1 $ se troque à 2000 francs congolais, un franc CFA se marchande à 3,42 centimes et 1 euro revient à 2282 francs congolais. Alors pour cette nouvelle édition, avec vous, nous parlerons aussi de quelques produits miniers et on aimerait savoir déjà quelle est la tendance des prix des produits miniers sur le marché international du 18 au 23 avril 2022. La tendance générale des prix des produits miniers exportés de la RDC sur le marché international observe une tendance haussière pour la période allant du 18 au 23 avril 2022. En revanche, deux principaux produits miniers exportés de la RDC, dont le cobalt et le cuivre, enregistrent une légère baisse de prix au cours de cette période. La tonne de cobalt devrait se négocier à 81 559 $ américains cette semaine, contre 81 579 $ américains la tonne la semaine dernière, soit une légère baisse de prix de moins 20 $ américains.
Le cuivre devrait aussi connaître une baisse de prix au cours de cette période. Ce produit devrait être vendu à 10 281 $ américains la tonne cette semaine contre 10 331 $ américains la tonne la semaine dernière, soit une baisse de prix de moins 50 $ américains. Alors avant de nous séparer, on va parler aussi d'un autre produit que je ne vous ai pas entendu évoquer. Il s'agit de l'étain. Qu'est-ce qui s'observe durant toute cette semaine? L'étain enregistre une hausse de prix de l'ordre de 1 073 $ américains sur la tonne, soit en passant de 43 375 $ américains la tonne la semaine dernière à 44 448 $ américains la tonne cette semaine. Soulignons que l'étain est sur une bonne envolée, surtout avec le développement de plus en plus croissant de la technologie et de l'industrie automobile. Merci encore à vous, Namaka, pour ces précisions chiffrées. Ça a toujours été un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Merci à vous, Judith Piombo. Parlons à présent pour le camp du dossier du lancement des activités relatifs du projet de Air Congo. Ce lancement qui sera fait par le gouvernement congolais. Les détails, c'est juste après ceci. Restez branchés. Le dossier du jour nous sera présenté par vous, Benita Mweni, bienvenue. Merci Piombo. Aujourd'hui spécialement, vous nous parlez du gouvernement congolais qui a adopté un projet relatif au lancement des activités de la compagnie Air Congo. Alors la question est à quelle finalité et de quelle manière se décline ce projet? En effet, le gouvernement de la République démocratique du Congo a adopté au cours de la dernière réunion du Conseil de ministres le projet relatif au chronogramme des actions pour le lancement d'activités de la compagnie Air Congo. Et ce projet se présente de la manière suivante. Premièrement, le chronogramme des actions pour le lancement d'activités de la compagnie Air Congo. Deuxièmement, relever des démarches pour la création d'une entreprise en République démocratique du Congo. Troisièmement, le statut de Air Congo SA. Quatrièmement, le business plan dans cette compagnie aérienne. En croire Chérubin Okende, c'est l'initiative du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qu'un partenariat stratégique a été conclu l'an dernier avec Ethiopian Airlines comme finalité de promouvoir le développement du transport aérien dans les conditions de sûreté et de sécurité dans le pays. Voilà, avant de nous séparer, nous avons une dernière question pour vous. Benita, quelles sont les spécificités plus techniques visant à faire de cette compagnie aérienne nationale une référence répondant aux normes tant nationales qu'internationales? De ce fait, il a été convenu de commun accord de créer une compagnie aérienne nationale normalisée, viable et fiable, dont le parc social sont en majoritairement détenus par la République démocratique du Congo. Et c'est à cet effet que le ministre des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements a expliqué que cette joint venture revêt des atouts substantiels, successibles d'apporter des solutions techniques, matérielles, financières et expertises nécessaires pouvant procurer à la nouvelle compagnie une grande capacité de devenir leader et de surplanter la concurrence des compagnies privées et étrangères au niveau domestique, régional et international. Merci Benita pour ce dossier. Retrouvons-nous prochainement pour un nouveau numéro de Zoom Eco Live. Merci Piombo. Quelles sont les analyses que nous rapportera Patrick Bomboka? Nous en saurons plus dans ce nouveau numéro de Zoom Eco Live. Suivez. Bonjour. Depuis le mois d'avril 2021, le niveau des recettes du Trésor public de la République démocratique du Congo s'est stabilisé autour de 450 millions de dollars américains mobilisés par mois. En revanche, en 2020, entre 300 et 350 millions de dollars américains ont été mensuellement mobilisés. Le gain de 100 à 150 millions de dollars américains a été rendu possible grâce au contrôle concomitant qu'applique désormais l'inspection générale de finances. Pour le chef de service de l'inspection générale de finances, Jules Alinguete, l'instauration du contrôle concomitant, c'est-à-dire
celui qui s'effectue au même moment que se pose l'acte de gestion, a bien permis d'augmenter les recettes du Trésor. Il était donc temps, estime Jules Alinguété, de corriger les écueils observés à travers le contrôle a posteriori qui a montré ses limites au regard de l'ampleur du détournement des deniers publics. Dans le cadre de ces contrôles concomitants, autrement appelés patrouilles financières, des inspecteurs des finances sont déployés dans des entreprises et des établissements publics où sont affectées des sommes importantes. Il faudrait noter que l'inspection générale des finances est habilitée à effectuer le contrôle de la régularité des gestions des finances publiques, aussi bien au niveau national qu'au niveau des provinces. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wendy sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Pour ce nouveau numéro de Zoom Wendy, cette fois-ci, nous allons nous rendre au Kasaï pour avoir les prix des différents produits alimentaires en provenance de cette partie de la République démocratique du Congo. C'est avec Naomi Kandé à la présentation. Suivez. Dakala, maïs, arachide ou tout autre aliment du Grand Kasaï. Ce nouveau Zoom Wendy vous fait un marché sur le prix de produits alimentaires en provenance du Kasaï. Le marché, c'est maintenant. On vous ramène le prix des Ndakala où la grande mesure coûte 18 000 francs pour un écolo. Un sakombi revient à 8 500 francs. Pour la moyenne mesure de Ndakala, un écolo se vend à 12 000 francs. 6 000 francs est le prix fixé d'un sakombi. Un écolo de frétin se vend à 7 000 francs et 3 500 francs les sakombi. Pour le consommateur de semoule jaune, un sac de 25 kg revient à 47 000 francs. Pour ceux qui préfèrent se procurer la petite quantité, un sakombi coûte 1 000 francs. Un écolo est vendu à 3 000 francs. La petite mesure de poisson toucha revient à 3 000 francs. La grande dimension se vend à 4 000 francs. Un écolo de maïebo ou champignon se vend à 10 000 francs. 120 000 francs est le prix fixé d'un sac de maïs. Vous pouvez aussi vous procurer une petite quantité où un sakombi se vend à 8 000 francs. Un écolo de maïs se vend à 4 000 francs. Merci de rester connecté sur Zoom Wendy et prenons rendez-vous pour un prochain numéro. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. À présent, nous allons donner la parole à Adassa Grasse qui nous présente la rubrique Agenda où nous avons bien sûr des précisions au sujet des rendez-vous économiques qui ont lieu en République démocratique du Congo. Suivez les détails. Bienvenue à l'agenda, voici les entrevues du jour. Bentizui Academy organise une nouvelle session en conformité des banques qui débutera du 20 jusqu'au 22 avril 2022, des 16h à 18h30 à Kinshasa au siège de Bentizui Academy. $70 et les droits de participation. Autre rendez-vous à prendre avec Loin des Lois I20 qui organise une conférence masterclass les samedi 23 avril prochain de 9h à 13h à Kinshasa et aura pour thème les indispensables pour la réussite d'une carrière en tant qu'artiste, manager et producteur. À ne pas louper cette fois-ci, The Wise Woman tiendra un gala de charité le 23 avril prochain et sera axé sur « Réussir commence par oser ». Et pour finir, signalons que la semaine e-commerce de la FITINC se tiendra à Kinshasa du 22 au 23 avril prochain. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.
La débrouillardise en République démocratique du Congo, nous en parlons une fois encore dans ce nouveau numéro de Zoom Eco Live. Et cette fois-ci, il s'agira d'une activité qui prend de plus en plus de l'ampleur, principalement à Kinshasa. Il s'agit de cette activité dénommée Takeaway, ce partage d'expérience. Nous le suivons tout de suite. Naza cuisinier, ça fait plus de 10 ans dans le domaine de la restauration. En dehors, il y a mis ça en habitude de la cuisine, dans le restaurant déjà. Tout ça, la rappelle, tu préfères commenter ma propre business, la Bisso Moko, pour permettre à Bisso de survivre déjà à cause de la caractère. Moi, autant de gens, tandis que. Ce que vous appelez à une entreprise d'ailleurs, vous en avez facilité à ça, ma grande belle. Tout ça, c'est pour nous, la population, pour nous contribuer au développement à Moka. C'est pourquoi tu préférais tout taper dans le domaine. Il y a des difficultés, ils ont moins belle. Tout ça, la double dépense. Mais l'État, il n'y a pas à Bouki Bisso. Alors, si vous avez un bon endroit, si vous avez un Bouki, vous pouvez avoir un endroit moins approprié, où il y a bien haut, où il y a un peu installé, où il y a un Bisso pour te servir. Et là, on a aussi l'État, a Bisso Penza, mon Konzamboka, mon président Fachi, Béton, pour me camper pour la paix qu'on a Bisso. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde ne jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et c'est par ici que se clôture cette édition de Zoom Eco Live. C'était un plaisir de savoir que vous étiez toujours connectés et branchés à cette édition. Nous vous souhaitons déjà une bonne fin de soirée et retrouvons-nous prochainement avec le même plaisir.